Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Quentin 50. Alors aujourd'hui on est sur Clash Royale. Donc alors on va s'ouvrir un petit coffre là maintenant. Alors on est donc là sur des ressources. Donc ça c'est bon. Bon le canon j'utilise pas. Le mousquetaire non plus. Bon c'est tant pis, c'était pas super bien ce qu'il y avait dedans. On va voir. Bon l'archer j'utilise pas. Les gobelins non plus. Bon bah tant pis. De toute façon c'est vrai que ces coffres là ils sont pas terribles. Alors, on va voir ce qu'il y a dans ces coffres. Donc, les minons, voilà, ça peut passer. Les barbares aussi. Ouais. On va ouvrir un coffre. On va attendre 8 heures. Donc, on va donner quelques petites troupes. Je vais donner ça. Et je vais donner ça. Comme ça, je vais passer le niveau 6 dans peu de temps. Donc, ouais, j'ai beaucoup augmenté là mon niveau depuis les dernières vidéos. Donc, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je vais demander des cartes plutôt. Pour pouvoir augmenter mes troupes level suivant. Alors je vais mettre, je sais pas, faut que je vois ce que j'ai. Non, c'est pas là. Alors ouais, je vais peut-être passer mon. Alors c'est mes troupes. Bon, je sais plus où c'est. Oui, c'est bizarre, j'ai même pas. J'ai même pas l'autre là avec. Non. Bon, moi j'ai pas le chevaucheur. Enfin, pas le chevaucheur, mais je sais plus c'est quoi son nom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre les PK. Allez hop, c'est parti. Donc, on va attaquer. C'est parti. Donc, je suis allé jusqu'à 1200 trophées. Mais j'ai descendu. Donc, là c'est l'arène 4. Donc, là il y a des bons joueurs. Déjà, quand on voit les mecs en face, souvent c'est des mecs level 6. Moi je suis que level 5. Donc, voilà. Allez, allez, allez. Le mec, il a déjà ses sorcières niveau 2, alors que moi, elles sont niveau 1. Je pense que je vais me prendre une grosse tollée, mais c'est pas grave. On ne dira rien. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait très, très, très mal. Il a même pas pouvoir m'attaquer. Oh. Mince, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon, allez, il faut peut-être bouger un peu le fion là. L'expression qui remet des idées en place. Parce que là, je suis en train de perdre là. C'est mal parti pour moi. Je vais mettre. Je sais pas, je vais mettre peut-être le géant en premier. J'essaie de faire une bonne percée là parce que pour le moment, c'est lui qui m'attaque. Mais moi, je fais que défendre. Allez, 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 allez. C'est long, franchement, le temps d'attendre l'élixir là. Pff. C'est un peu galère. Je vous fais pas dire. On est parti. Go, 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 go. On va mettre ça. Oh, là, il a fait une technique que moi je fais souvent. Bon, c'est bon, il a détruit ma tour là. Le temps que. Putain, la vache, comment c'est super rapide. Comment c'est rapide? Oh la vache. Là, je suis en train de prendre cher. Les gens là, ils tapent, il fait mal. Oh non, j'ai gagné. Oh, j'avais même pas vu que j'avais gagné en haut. Bon, c'est parce que lui, il a voulu attaquer, et puis moi, j'ai attaqué en même temps. Donc, j'ai attaqué en premier, donc c'est pour ça que j'ai gagné. C'est plutôt cool, ça, c'est bon. On va se relancer une petite attaque là. Non, on va attendre les quelques secondes qui restent là sur le coffre pour avoir les 10 étoiles. Les 10 coffres plutôt, quand on a les 10 coffres, ben on gagne un coffre. Donc, enfin, les 10, c'est pas des étoiles. Enfin, je crois que c'est des étoiles ou je sais plus c'est quoi. Mais quand on a les 10, on complète et on a un coffre gratuit. Demain. Voilà, donc là on voit. Donc là, on se fait une petite attaque. Donc là, je suis full coffre, mais c'est juste pour ouvrir celui qui sera là. On va mettre ça. Je vais mettre ça ici. Le mec est level 5, donc ça va. Il est dans mes niveaux. Il est dans mes niveaux. Bon. On va faire ça. Oh, les ballons qui font très très mal. Les ballons qui sont vraiment forts quand ils sont bien utilisés, mais là j'ai. Ils sont mal utilisés donc. Ils m'ont pas fait si mal que ça. Ouh, là j'ai commencé à lui faire quelque chose de pas trop mal là. Je pense que
Ah non, il a réussi quand même à... Mais là, sa tour est détruite, c'est obligé. Il peut plus rien faire. Donc déjà, ça c'est un bon point pour moi. Oh, les tout petits squelettes là, mais qui ont morflé. Putain, pour le moment ça va, je gère. Ah ouais, là où c'est vrai que là tu peux le dire. C'est le cas de le dire. Là, il prend cher là. Là, il prend très cher. Je pense que c'est bientôt la fin pour lui. Bon, heureusement, il défend, mais. À mon avis, ça va être cuit. Il va prendre cher. Il est cuit là. Là, il est cuit. C'est bon. Voilà. Une deuxième victoire. Comme on dit, jamais 203. Donc, on va relancer une attaque. Bon, c'est pas dit que j'ai la victoire, mais. Le proverbe le dit. Donc là, ça, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, c'est moi qui ai cliqué. On va repartir. Ah, je augmente là en trophée. Je suis à 1000. J'ai passé la barre des 1100, donc ça va. Donc, on va. Ah oh merde, j'ai pas mes troupes favorites. J'aurais aimé avoir d'autres troupes. Mais c'est pas gênant, on va lancer la petite attaque. On va mettre le petit PK qui attaque. Franchement, le petit PK, il est puissant. Hein. Ou par contre, là, il a mis des troupes que j'aurais pas voulu avoir. Merde, putain. Merde, merde. Il me bat. Il me bat sur ce coup-là. Oh, la tour de l'enfer, niveau 3 qui fait relativement mal. Je n'ai déjà eu une, niveau 5. Je peux vous dire que quand on se prend ça, on n'ose même plus attaquer. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre en fait qu'elle se détruise un petit peu la tour. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'attaquer de plein fouet. J'aurais peut-être pas dû faire ça en fait. Là, il a déployé tous les. Oh la masse! La masse de squelettes là qui se dirigent. Pop, pop, pop. Je suis en train de prendre un peu cher là quand même. Juste avec des minions et des. Et les petits squelettes là. Pop, pop, pop. J'ai peur qu'ils remettent une tour là. Pour me faire bien mal. On va changer de technique. On va mettre ça. Les barbares, j'aime pas ça. Je n'arrive pas trop à les gérer là. Regardez la vie du géant qui prend mais trop cher. Là pour le moment, là, il est en train de me battre là. J'aime pas ça. Ça sent la défaite, ça. Ça sent la défaite. Les attaques que je lance, elles sont en train de foirer là. Ça sent la petite défaite. Allez, 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 on attaque, faut pas se laisser aller. À 60 secondes, j'ai peur qu'il parte vers ma gauche là. Bon, on va changer de stratégie. On va aller vers la gauche. Et là, normalement, oh, là, il a envoyé du lourd. Là, il a envoyé du lourd. Là, il a envoyé du lourd. Mais, j'ai réussi à l'en détruire une tour. Donc, ce qui est plutôt cool. Mais on va faire ça. Ah merde, il m'a détruit aussi une tour. Et là, j'ai peur qu'il m'en détruise une autre. Et là, j'ai peur aussi qu'il. Oh loulouloulou, comment ça fait mal? Comment ça fait très 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 mal? Je suis en train de prendre tarif. Oh le con! Putain! Ah non! Non, non, non! Non, non, non! Oh, j'ai envoyé un truc de merde là, j'ai foiré. J'ai foiré. Oh putain. Bon bah il a perdu. Hein. Enfin j'ai perdu plutôt. Ah merde putain, je savais qu'il allait se passer un truc comme ça là. Bon c'est vrai qu'il était plus fort que moi. Bon bah voilà, j'ai récupéré que 4... C'est des couronnes, voilà, je me rappelle plus c'était quoi, c'est des couronnes. Donc j'aimerais bien savoir si je pourrais augmenter quelque chose. Les petits gobelins c'est 12, ouais, c'est... J'aimerais bien avoir les petits... Le baril de gobelins, ça serait... Je trouve que c'est pas mal. Et puis bah bon sinon en deck ce que je vous conseille c'est ce petit deck là. À un moment j'avais un deck qui était vraiment très très bon et c'est grâce à celui-là que j'ai réussi à arriver au 1200. Celui-là il est pas mal. Donc déjà ça c'est la boule là, enfin je sais plus c'est quoi le tir de feu là. Celui-là faut obligatoirement l'avoir ou sinon les fléchettes, mais celui-là je trouvais mieux. Le géant
obligatoirement. Moi je l'ai, il est niveau 4 donc c'est cool. La sorcière, j'aimerais bien l'améliorer, mais ça coûte vachement cher, hein, c'est 2 millions. Ou sinon, faut avoir la chance pour avoir un coffre spécial qui débloque un autre niveau de la sorcière. Ça, franchement, ça serait bien. Parce qu'elle est puissante, hein. Déjà, niveau 1, elle est bien. Niveau 2, ça serait cool de l'avoir niveau 2. C'est vraiment une bonne troupe. Les petits gobelins que j'ai toujours, qui coûtent pas très cher et qui attaquent de loin, donc ça, c'est cool. Le mini P.K. qui va vite, bon, qui a pas énormément de vie, mais qui attaque vachement puissamment, plutôt. Je sais pas si ça se dit, je pense pas. C'est pas grave. Le petit dragon que j'aimerais bien améliorer, je sais pas si... Ouais, encore une carte. Parce que là, il est qu'au niveau 1. Niveau 1, c'est pas super bien. Voilà. Le prince aussi, qui est qu'au niveau 1, que j'aimerais bien aussi avoir une carte de lui. Ça serait cool. Et je peux pas le demander dans mon clan. Ça, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il faut que je sois niveau supérieur ou... Bonne question. Et puis, la hutte de gobelins, que j'adore aussi. À un moment, j'avais changé de stratégie, vu que j'avais eu des nouvelles troupes. J'avais eu bah, le cochon, la tour d'enfer. Mais vu qu'il faut les améliorer, c'était assez cher de les améliorer, donc... J'ai préféré garder mes troupes qui étaient assez bon level. Voilà. J'avais réussi à débloquer la Tesla que j'avais amélioré niveau 4. Bon, moi perso, j'avais pas trop aimé. J'avais aussi amélioré les barbares pour tester. Je suis pas au point avec cette technique-là. Je préfère mon petit deck là. J'ai une meilleure technique. Donc, à vous de voir ce que ça donne avec votre deck. Sinon, essayez le mien. Vous allez voir. Avec les bons niveaux aussi. Parce que des fois, quand c'est niveau plus bas, c'est vrai que ça donne pas grand-chose. Il faut avoir du niveau assez costaud. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine et puis salut à tous.